Alors, vu que la reprise de l'école va être difficile, je vous avais dit qu'en dernière période, je travaillais souvent avec les petits sur ce livre. Donc, je vais vous proposer des petits jeux que vous pourrez refaire à la maison. Moi, je n'ai pas trois petits chats, mais j'ai un, deux, trois doudous bleus. On va faire comme la maman des petits chats. On va leur donner trois jouets, un pour chacun. Donc je pose mon doudou 1, doudou 2 et doudou 3. À ces doudous, on va leur donner, vous leur donnerez les jouets que vous avez à la maison. Moi, j'ai pris ici des avions, des voitures et des galops. Donc, il va falloir prendre autant d'avions que de doudous, c'est-à-dire le même nombre. J'ai 1, 2, 3, j'ai 3 doudous. Je dois prendre 3 avions, 3 voitures et 3 galops. L'idée, c'est de mettre les doudous ou les poupées, ce que vous avez, à un endroit et de mettre les jouets un peu loin pour que votre enfant fasse les trajets. Il en prend 3 dans ses mains et il revient les donner aux doudous, un pour chacun. Donc, on y va. Je fais le jeu comme si j'étais votre enfant. J'ai mes avions, j'ai 3 doudous, donc je veux autant d'avions que de doudous. J'en veux 3. 1, 2, 3. J'ai dit 3. Stop. Je viens donner un avion à chaque doudou. Un pour doudou 2 et un pour doudou 3. Maintenant, pareil, les voitures. 1, 2, 3. 3, c'est bon. Je donne une voiture au premier doudou, une voiture au second doudou, une voiture au troisième doudou. C'est bon. Chaque doudou a un avion. Chaque doudou a une voiture. J'ai réussi. Je fais pareil pour les galons. 1, 2, 3, 4. Ah, on va voir, je fais exprès de me tromper. Je mets un galop ici, un galop ici, un galop ici, et je vois qu'il m'en reste un. Si votre enfant se trompe, faites-lui tout recommencer. On récupère les galops. Hop, et on retourne chercher jusqu'à ce qu'il ait réussi à vraiment en avoir 3. 1, 2, 3. Je les prends et je mets au premier doudou, au second doudou, au troisième doudou. J'ai réussi, c'est bon. S'il n'en prend que deux, pareil. On récupère les deux galops et on revient et on fait prendre exactement